Où les travaux sont arrivés. Aujourd'hui, Monseigneur nous donne encore une nouvelle mission de pouvoir aller jusqu'à la couverture. Donc pour l'année en cours, c'est d'aller jusqu'à la couverture. Donc nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de travailler pour pouvoir atteindre notre objectif. Voilà. Merci. Merci. On vous revient. Voilà, le son des chrétiens. Nous avons aussi le son des femmes qui nous viennent de partout dans le monde. Allez-y visiter. Ah, c'est la première bière. De faire siècle avec un de nombreux souvenirs. La solo, si c'est bon à notre niveau, sachez que le plus humain est encore. Bonsoir, ici nous sommes où? C'est-à-dire pourquoi un stand pour l'Abissa? Pourquoi un stand pour l'Abissa? Pourquoi? Et c'est quoi l'Abissa en fait? C'est quoi l'Abissa? C'est un rendez-vous culturel qui a lieu au cours duquel on fait. Allons-y. C'est quoi la bizarre? C'est un rendez-vous culturel qui a lieu où? Quand? Vers quelle période? Fin octobre. Chaque année? Fin octobre, mi-novembre. Et au cours, ça dure combien de temps? Deux semaines. Au cours de ces deux semaines, qu'est-ce qui se passe? Il y a une semaine silencieuse. Il y a la semaine silencieuse. Il y a une semaine festive. Ok. Alors, au cours de la semaine silencieuse, pourquoi une semaine silencieuse? Bon, on fait la retraite de Dombele. La retraite de Dombele. C'est-à-dire? Pour le temps plus sacré, on fait sa retraite. Une semaine, pas de fétiche, pas de funérailles, pas de tuer. Une semaine silencieuse. Et on attend. L'autre semaine, là, on va dire. Là, en direct. C'est comme ça, ça va être une fête à montage. Une semaine festive. Maintenant, la semaine festive, qu'est-ce qui se passe dans la semaine festive? Ici, il y a quoi? Là, on commence avec une petite société. Donc, c'est chaque 15 heures sur la place de la Bissa. Par famille, par exemple? Non. Où toutes les familles viennent? Non. C'est pas famille, tout à l'heure, j'ai un petit. Voilà, la première semaine, le premier jour, il y a une famille. Le deuxième jour, il y a une famille. Le troisième jour aussi, ici. D'accord. Et là, par exemple, ce qu'on voit, vous avez dit, c'était... Là, c'est la table, ça, elle va mieux vous expliquer. D'accord. Ici, là, c'est son stand. Vous êtes madame? D'accord. Alors, vous avez ce stand. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand? C'est fait, mais ici en Côte d'Ivoire, c'est importé. Non, ça vient de Dubaï. Non. Nous en avons d'autres avec des pochettes. Vous avez votre pochette, des chats, aussi des paroles. C'est en quoi ça? C'est pas en or, rassurez-moi. C'est avec l'eau. Ça noisit pas. Ça noisit pas. Ça, c'est combien, Robert? 20 000. D'accord. Vous êtes là dimanche. Si les gens sont intéressés, ils peuvent venir. D'accord, ok. Là, vous faites un prix promo. D'accord. Nous avons aussi des tissus qui font avec des poids aussi. Des différents modèles. Mm-hmm. On a la bague, le bracelet et les boucles d'oreilles. Ça, c'est combien? Ça, c'est 6 000. Ça ne noisit pas? Non, ça ne noisit pas. Je connais chez vous, elle dit ça noisit. On a aussi des deux. Regardez là, cette dame là, elle dit ça ne noisit pas. Venez prendre. Vous laissez vous le mari, mariage, anniversaire. Ça varie de 20 à 6 000. D'accord. Super, c'est bien. En tout cas, merci pour la présentation. Et puis bonne chance. Merci.